Bonjour, mesdames et messieurs. Je me présente Anne Charpentier. Je suis la directrice de l'Insectarium de Montréal. Ce matin, nous sommes présents sur ce chantier pour effectuer la pelletée de terre officielle et vous informer en primeur d'un projet sur le site du Jardin botanique aménagé autour de l'Insectarium de Montréal. Il s'agit d'un projet d'aménagement de 2 092 000 $ destiné aux enfants et aux familles et qui s'intitule « L'espace-jeu de l'Insectarium ». Muséum Nature de Montréal, dont font partie l'Insectarium et le Jardin botanique, a pour mission de faire connaître la nature et les savoirs qui s'y rattachent, de contribuer à l'étude et à la préservation de la biodiversité et de promouvoir des comportements responsables face à l'environnement. Pour faire en sorte que les citoyens adoptent des comportements responsables, il faut favoriser le développement d'attitudes positives face à la nature et particulièrement à l'égard des insectes. Le projet que nous vous présentons ce matin a donc été conçu en lien direct avec notre mission afin d'améliorer l'offre éducative ainsi que les services sur le site pour la clientèle familiale. Donc, on se retrouvera dans un an pour lever notre verre à la santé des personnes qui l'auront réalisé et puis la santé des enfants qui vont passer beaucoup de temps dans cette aire de jeu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Sénégal. Ah, et puis Dean, il me semble qu'on se connaît. Oui, on a déjà travaillé ensemble au Biodôme. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est au Biodôme.